Mais ça, c'est une tenue complète, ça. C'est un bout de tissu, voilà, c'est... Mais tout est un bout de tissu. Ben, non. Mais je... jamais. Demain, je te voilà. dis, je me suis... Même pour aller dormir. D'accord. Je parle avec toi, je peux pas te regarder dans les yeux. Je la plonge la... dans le Grand Canyon. Voilà, je vais péter un plomb. Hey mes soirées, j'espère que vous allez bien. Je suis allée récupérer un colis. En même temps, j'ai vu la caméra. Je me suis dit, tu sais quoi, Mina, tu vas filmer aujourd'hui. C'est le colis qui m'a donné envie de filmer. En fait, j'ai commandé il y a 2-3 semaines des vêtements sur un site, sur YesStyle. Et j'ai commandé des tenues que je kiffe trop et d'autres tenues un petit peu osées que je mettrai pas moi-même. Et je voulais voir la réaction de Romain. Il allait emmener les enfants à l'école. Quand il rentre, on lui montre. Et ensuite, on va aller faire les magasins avec mon père. Pareil, je vous emmène avec moi. En fait, vous allez passer toute la journée avec moi. Donc, si ça vous dit. Stay here. Ça c'est genre tenue franchement super jolie. Genre pour un petit brunch, un petit café. Ouvre les yeux. Waouh. Magnifique. T'as bien? Ouais, vraiment. C'est vrai? C'est super. C'est joli? Ouais. Et la couleur, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. C'est exactement ce que tu vois. C'est pourquoi comme occasion? Ah, c'est pour des petites occasions comme ça, entre potes, hein? Il n'y a qu'une seule chaise. T'arrives au restaurant avec une seule chaise? Pourquoi il n'y a qu'une seule chaise? Je sais pas, tu me fatigues. Avec ta robe de chambre, là. Allez, file de là. C'est pas une robe. Très belle ta robe de chambre. C'est pas une robe de chambre, Romain. Moi, ça c'est pour genre un petit cocktail, tu un vois. Un petit cocktail? Un toi, petit... tu sais ce que c'est qu'un cocktail? Ouais, genre quand par exemple l'anniversaire, c'est des anniversaires, c'est aussi des cocktails. Toi, tu sais ce que c'est les cocktails? Bah oui, moi je sais ce que c'est que des cocktails. Moi je sais pas, moi. Mais ça, c'est une tenue complète, ça. Ils n'ont pas un pantalon ou quoi, moi, franchement. Mais des aïeux ou pas? La vérité. Mais quoi? Comment ça c'est une tenue complète? Mais il y a un haut et une jupe. Tu crois que tu me fais des surprises, mais ça me fait peur. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a un petit souci sur cette tenue. Elle rentre pas dedans. Non, c'est pas que je rentre pas dedans. On c'est... est parti. Vas-y, sur regarde. 10 minutes d'apnée. Regarde. Je sais pas. Alors là, je vois pas ce que tu veux dire, parce que c'est long. Je sais pas quoi dire. Pardon? J'arrive pas. À quel moment tu veux mettre un truc comme ça? Mais comment ça, Romain? Je vais manger au resto avec ça. Tu vas manger au resto avec ça. Donc t'aimes pas ça? On dirait que vous faites tout pour avoir le plus de peau à l'air. Mais c'est vrai. J'arrête de dire vous, c'est moi. C'est incroyable. Ça, c'est moi qui est en train de m'habiller. Mais on monte des trucs où... Oh. Ça oui, ça va pas. J'avais même pas vu ça. C'est bon ça. C'est un bout de tissu, voilà. C'est... Mais tout est un bout de tissu. Ben, non, c'est un pull. Voilà, c'est un pull, j'ai chaud et c'est l'hiver. Oh, c'est incroyablement décolleté, c'est tout. C'est pas incroyablement décolleté. Bien sûr, je parle avec toi, je peux pas te regarder dans les yeux. Voilà. Tu vois, je... Toi, alors, c'est que t'as un je plonge dans le Grand Canyon. Enfin, le petit canyon, il n'existe pas. On l'a à la maison ici à Colmar, à Strasbourg. C'est là, j'ai peur. Faire partie de ça, ça m'énerve, je peux pas. Ouvre les yeux. Est-ce que je vais avoir envie de quitter le tournage tout de suite? Non, franchement, il y a rien de fou. Vas-y. Quoi? Vous avez pété les plombs. Les... Pourquoi? Est-ce que tu la trouves jolie la jupe? Non. Comme pourquoi? Mais c'est pas une jupe. Mais si, c'est une c'est jupe. C'est pas une jupe. C'est que t'étais à la douche et puis il restait plus que le petit tapis pour t'essuyer les pieds là quand tu descends. Il n'y avait pas de serviette. Puis t'as mis ça. Pour te couvrir en haut et en bas. Mais regarde, t'arrives même pas à rigoler, tu peux même pas, t'es même pas libre de tes mouvements. Vous vous rendez compte, vous vous mettez des habits, vous pouvez même pas vous baisser pour ramasser vos clés si vous les faites tomber. Ça veut dire que cet habit, il engendre quoi? Tu fais tomber tes clés. Cet habit, il engendre quoi? Soit je me baisse comme ça, mais de toute façon, on va voir par devant. Soit je me baisse comme ça, on voit tout derrière. Soit je demande à quelqu'un. Ça veut dire que l'habit mais t'oblige voit... à accoster Romain, quelqu'un pour ramasser on tes voit clés. Pas derrière. Est-ce qu'on voit derrière si je me baisse? Si c'est un gars, il va se dire quoi? Elle peut pas se baisser pour ramasser ses clés, elle, ou quoi? Voilà, je vais péter un plomb. Donc si j'ai bien compris, cette tenue, tu n'es pas pour? Pour moi, je ne suis pas pour cette tenue. Voilà. Et pour qui que ce soit, pas que pour ma femme. Pour la femme en général. T'es pas pour cette tenue? Pas du tout. Même quand on fait du sport? Vraiment. Mais jamais. Demain, je te dis, je me suis... Même pour aller dormir. D'accord. Demain, je te dis, je me suis inscrite au tennis et mon coach, il veut juste que tu t'habilles en tennis. Et bah, je dis ton coach... Pourquoi? Je vais le frapper. Mais pourquoi? Je vais le battre à mort avec sa raquette. Moi, je suis tout à fait à l'aise de sortir comme ça et je suis tout à fait à l'aise d'aller faire du tennis comme ça. En plus, je t'ai pas dit, mais j'avais envie de commencer le tennis. Vas-y. Là, j'ai pris une tenue pour aller faire du sport, ok? Je voulais une nouvelle tenue qui soit genre cute but comfy. Le tennis, c'est pas un sport? Non, un autre sport, ça c'est pour la salle. Vas-y, regarde. Pousse-toi un petit peu parce que sinon on voit pas. Ouais. Très bien. Alors que je fais du squat, tu vois. Très bien.
très belle. Je pourrais aller au sport comme ça, la vérité. Ouais, bien sûr. Ouais. Dis vous de la vérité. Non, la vérité, sans mentir. Sans mentir. Non. Pourquoi? Pourquoi tu pourrais aller au sport comme ça? T'es fatigant, toi. J'arrive plus à le faire. Est-ce que tu es prêt pour accrocher le tenue? J'ai pas envie de continuer. Mais t'es sérieux ou pas? Ouais, j'arrête. Mais il reste une dernière tenue. Mais pas grave. Mais, ouais, très bien celle-là. C'est dommage. Mais oui, elle est très bien parce qu'en fait c'était un prank. C'était un prank de quoi? C'était un prank où j'ai pris des tenues un peu plus provocatrices que je ne mettrais pas. Genre la vérité. Ah, t'as mec, c'est provocateur non, tout ça. Non, je te dis la vérité, l'ensemble marron, je le mettrais. La robe rouge, la fente, non, je la mettrais pas parce que la fente elle est trop haute. Qu'il y avait la jupe grise, jamais je la mettrais. Cette tenue, c'est une vraie tenue que j'avais portée. Ça passe. Ouais. T'es sérieux? Bah c'est original, c'est bien. Le pantalon il est beau hein. Pour aller faire les magasins, pour aller voilà, se balader avec les copains, les copines. Mais je peux dire un truc, moi je trouve que les pantalons comme ça, où c'est genre cintré et tout, c'est aussi sexy qu'une robe, pour moi. Et c'est encore plus beau parce que c'est plus mystérieux. Voilà, merci. Mais c'est aussi sexy. Mais une femme, de toute façon, je vous explique, a pas besoin des habits pour être sexy, d'accord? Si vous avez le truc, vous avez le truc. Et j'ai aussi pris cette veste que je trouve trop belle. C'est un bomber comme ça avec une petite capuche. Romain, il l'a trop kiffé. Il l'a essayé, mais elle lui va pas. Bah, celle-ci, tu vois, tu l'as trop aimée. Hein? Ouais, elle est très belle cette. Elle est belle celle-là. Ouais. Et j'aime trop, ils ont plein d'accessoires. J'ai pris cette casquette-là par exemple. Elle est pas trop belle. Avec un petit canard. Ça, j'avais pris pour mon fils, sauf que c'est un peu trop grand. Mais je trouve ça trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Ouais, enfin, je t'ai vu avec ça chou. Déjà, c'est pas mal. Tu préfères celui-là? Tu vois? Il est beau aussi celui-là. Moi ce que j'aime trop sur ce City Style, c'est qu'il y a plein d'accessoires qui sont pas chers du tout. Je crois que les bonnets comme ça étaient à 2 ou 3 euros. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker. Et moi je m'en vais. Je vais aller je pense rejoindre mon père et l'emmener faire les magasins. Ça peut être cool non? Je vous emmène avec moi bien sûr. Avant ça je vais lancer mon aspirateur. Comme ça quand je rentre ce sera clean. Allez Mahmoud, vas-y. Tu nettoies tout hein. Gilles. C'est pas Gilles, c'est Mahmoud. Gilles Mahmoud. Oh là là, j'aime trop. I come back later, à tout à l'heure. Bon les filles, on est en route pour récupérer le papa. Il sait pas encore que je vais le récupérer. J'espère qu'il a pas trop de choses à faire et qu'il sera dispo pour venir avec nous faire les magasins. Ce qui est trop bien, c'est que quand je vais rentrer ce soir, la maison elle sera nickel. J'ai lancé mon Roborock, vous savez le S7 avant de partir. Il est vraiment trop bien, franchement c'est, je peux plus m'en passer. À chaque fois que je sors, je le lance et en plus on peut aussi le contrôler à distance. Donc ça c'est trop bien, même si je l'avais pas lancé avant de partir. Il y a une application sur laquelle vous pouvez le lancer à distance. Donc vraiment génial. Imagine passer sur mon tapis, sur mes sols. Il y a aussi un socle en fait qui nettoie tout seul l'aspirateur. Donc en fait après avoir fait tout son aspiration de la maison, il retourne à son socle et là ça va faire un auto-nettoyage et du coup vous n'avez pas besoin de vider vous-même le réservoir à chaque fois de l'aspirateur. Ça aussi c'est génial, franchement il est trop bien. Roborock S7, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les intéressés. Et je viens d'arriver chez les parents, let's go see them. C'est qui? La folle. Ah c'est comme ça que tu parles à ta fille. Ça va? Tu vas faire quoi? Hein? Ouais, pas bien. Ah, qui c'est bon? Ah, waouh, waouh, c'est le mannequin tiré, waouh. Ça, c'est des. Ça, ça donne pas trop envie. Betterave, salade, poivron. Oh, ça va. Ah, merci, moi. La plus gentille, voilà, le chbeb. Le chbeb. Galbi. Ainia. Salut. Ça va? Regarde, dis bonjour, ça fait longtemps. Ça va? Très bien. Tu nous as manqué, tu sais, sur c'est YouTube. Tu fais quoi? Hein? Je suis en train de ranger. De faire du propre. On va faire les magasins? Hein? Une photo. Tiens, t'as laissé une photo de moi quand j'étais petite? Ouais, j'ai même pas enlevé ma veste que je me retrouve dans la cuisine à grignoter. À la fois chez mes parents, je passe toujours par la case cuisine. Qu'il soit 8h, midi, 14h comme là maintenant. Ou 18h le soir. Franchement, il n'y a rien de mieux que le bon manger de sa maman. Oh, en plus, j'avais pas mangé à midi. La nourriture de ma mère, c'est la meilleure. Je ne suis même pas déshabillée. Attends que mon père il finisse les papiers. Je mange un petit bout et on y va. Donc en fait tu viens pas avec moi? Je vais aller changer des trucs à Zara, regarder un petit peu ce qu'il y a. Regarder le monde et te regarde. Sortir, rigoler, manger un bout. Manger un bout, ça n'est que manger. Non.
Non. On va se prendre un petit goûter. On va se prendre un petit goûter. Un goûter. Un goûter. J'ai mon goûter qui chauffe. J'ai envie, mais... T'as envie, mais t'as pas envie, en fait. Y'a personne qui veut venir avec moi. Mon père et ma jetée. Ma mère, elle a un rendez-vous médical. Romain... Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec mon peignoir? Oui. Tu viens avec moi? Où ça? Je viens te chercher, on va arriver toile. Non. S'il te plaît. Mais non, en plus, t'es juste à côté de Rive Étoile, là. Je sais pas pourquoi tu es venu me chercher. Mon père, il m'a fait un faux plan. Ouais, ben ça. Tu viens avec moi, s'il te plaît? Non. S'il te plaît. Non, bébé, roule là, non. Mais t'es sérieux de me faire ça? Mais j'ai pas envie de sortir. Vas-y, là, allez, laisse tomber, j'y vais toute seule, bah ouais. Vas-y, salut. Bon, je me disais, je vais me perdre, il faut que je regarde ma place. Je suis à la 14-06, ma date de naissance. Normalement, on est bon. Et là, c'est où l'entrée? Accès centre commercial. Let's go. Je vais changer tout ça. Et j'ai peut-être une copine qui me rejoint. Donc ça va, on est cool là. Là, j'aimerais bien prendre une photo pour Instagram. La lumière, elle est belle. Zama dans un parking. Pas devant Leclerc, mais voilà, comme ça et tout. J'ai personne pour me prendre en photo. Arrivé à Zara. Franchement, j'en peux plus ce masque. J'en ai marre. J'ai retrouvé ma copine, on est en train de faire un petit peu les magasins. Je suis à Bershka, il y a trop de belles choses. Ça faisait 10 ans que j'étais pas venue ici. Là, c'est le cargo, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais le prendre, je vais l'essayer. Il est trop beau. Et Mina qui n'a pas trouvé de cabine, qui est en train de s'en créer une dans le coin de la boutique. Ça va, ça se passe là-dessous? Mais j'ai une longue veste, hein. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien du tout. Ni vu ni connu. Mina, ça va, t'as à l'aise pieds nus? Ça ne va pas, on va prendre la taille au-dessus, tu vois. Comme ouais. Quoi une cabine à... C'est vrai. Regardez là, elle part pieds nus dans le magasin. Pieds nus. Tu achètes. Et voilà. Voilà. J'avais oublié mon sac à main dans un des magasins et là je suis en Allemagne parce que j'habite à la frontière de l'Allemagne en fait et je vais chercher des kebabs et je vais en ramener aux enfants et à Romain, il va être content. Voilà quoi. Il est tard, faut que je fasse vite. Franchement les petits ils me manquent trop, après une journée d'école ils me manquent trop, j'ai trop hâte de les retrouver. C'est le Star Grill. Ma vie est passionnante. Danke. Danke. Bye bye. Coucou mes amours. Ça va? Coucou. Ça va? J'ai même pas encore eu le temps d'enlever ma veste. Des kefta de l'Allemagne, wesh. Alors? Dégueulasse. Du roule là? Quoi? Tu m'en fous plus? Non. T'as pas pris celui avec le piment? J'en sais rien, moi j'ai pris maillot. J'ai écrit maillot dessus. Maillot, mais c'est bon. C'est le tien. C'est bon? Merci. Mais tu m'as pas attendu pour manger, moi je voulais qu'on mange en amoureux. Ça va. Quoi? Tu m'en vas encore pour les outfits de ce matin? J'ai mon plateau de télé. Et on est sur quoi, Romain? Emily in Paris. Et je mange sans toi. Faut pas manger avant moi. Ouais, c'est pas gentil. Franchement. Oh là là. Ah non, c'est sans sucre. Tu peux me ramener avec les sucres, s'il te plaît? J'ai non, tu bois tes conneries. C'est pas moi, c'est ma mère qui me l'a ramené. Bois, c'est ta mère. S'il te plaît. Ta maman. J'aime trop ma mère, mais j'ai jamais dit le contraire. Je l'aime beaucoup aussi, tu sais. Sûrement pas autant que toi, mais. C'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Emily in Paris, franchement, c'est pas top, la vérité. Ça m'a un peu déçue. Mais je regarde parce que j'ai envie de finir la saison. Je suis à l'épisode 6. Il y a un petit anglais là, il est pas mal, quoi. Quoi? Bah, il est mignon, toi, quand tu vois. Saha, toi, quand tu vois. Ils lui ont mis une veste de costard. Voilà, il l'enlève plus depuis toute la série. Toi, quand tu vois une fille jolie, tu me dis pas, elle est trop belle, je te dis quoi? Punaise, ouais, elle est canne. Moi, j'ai jamais dit ça. Quoi? Je m'éperds même. Toi qui voyais l'actrice. Ah, elle est belle, elle est belle. Là, je me rappelle avoir dit que le scooter était très joli. Ouais, le scooter. Et moi, je trouve que le petit anglais, là, il est mignon. Ouais, je vais manger, je vous reprends tout.